C'était super les années 80, moi j'ai adoré cette période-là. Même un peu avant, fin 70, quand mon père, on était dans sa 504, les vitres fermées, puis qu'il fumait. Ah bah à 7 ans, moi au pif, je faisais la différence entre une gitane et une gauloise, hein. Je peux vous dire que... Ouais, pour partir l'été, on attendait ma mère qui était tout le temps en retard. À l'arrière, il y avait moi, ma grand-mère, mon frère, mon père qui fumait. Et ma mère, je ne sais pas pour quelle raison, se parfumait systématiquement avant de monter en voiture. Alors quand elle montait, l'odeur de la gitane, l'odeur du parfum, du sky de la 504 qui avait pris le chaud, plus l'odeur de ma grand-mère... Ah bah pour avoir la gerbe, on était pas mal, vous voyez. Alors là, 10 minutes après, évidemment, mon père, il prenait l'autoroute à 140 sans ceinture. Et quand on disait « Papa, arrête, on va vomir », il se retournait comme ça pour nous tarter. Ah non, c'était bien cette période-là. Hein. Ah, c'était super. Mais tout le monde fumait. Le cendrier de mon père, il le vidait qu'en agglomération. Il attendait d'être dans un petit village, il descendait la fenêtre. Donc, tout le monde faisait ça, c'était bien, c'était super.